Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Matt Compagnie, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pensez à liker et mettre un petit like. Et il faut s'abonner aussi à la chaîne. Au passage, je voulais remercier les personnes qui ont commenté la dernière vidéo d'analyse de chaîne. Et si vous voulez passer dans la prochaine, il faudra commenter cette vidéo. Donc la première chaîne que j'analyse, c'est Utopique. Donc on va commencer déjà par la bannière. Bannière assez belle, j'aime bien. Bien spécifique. Ensuite, au niveau de ta récente installation de chaîne, ta bande annonce, ça a l'air d'aller. Niveau des vidéos, niveau des bannières, ça va. Tu sais comment faire une... Je regarde un peu au niveau de ta chaîne. T'as l'air de répondre à tes commentaires. Je t'en mets un. Donc niveau de tes tags, il faudra que tu mettes ton nom dedans pour que ce soit mieux référencé. Niveau des playlists, ça a l'air d'être assez complet. Niveau de ta communauté, il faudrait que tu mettes plus de trucs niveau de ta communauté. Ou sinon que tu essayes d'avancer le truc niveau de ta communauté. Par exemple, tu peux faire des sondages, etc. Niveau des chaînes. Chaîne de sélection et de rigueur, tes chaînes sont ouvertes. T'en as à propos. Alors, vous aimez les jeux réalité virtuelle, les podcasts, silence, société, bienvenue sur ma chaîne. Donc, c'est bien ce qui mettait planning et tout. Qui mettait lien. À dire, tu es inscrit depuis le 6 novembre 2006 et tu as 53 000 euros, ouais, 53 000 vues au total, 153 000, excuse-moi. Voilà, donc si vous voulez vous abonner à Utopique, la chaîne sera en description. Ah, deuxième chaîne, c'est Martis 31. Donc on va commencer par la bannière, je la trouve franchement très jolie, rien à ajouter. Niveau de ton accueil, donc tu as fait une vidéo de présentation, ça c'est nickel. On va regarder le niveau de tes vidéos. Tu devrais changer tes bannières de temps en temps. Je vais regarder ta dernière vidéo. Donc ce qui est bien, c'est aussi ça, t'as une petite bande annonce. Donc ce qui est bien, c'est que tu mets bien une description dans le niveau de ta chaîne, gars. Ici, ça c'est nickel. Niveau de tes commentaires, tu devrais répondre à tes commentaires. Parce que là, t'as pas tout répondu, t'as juste mis un petit cœur, pense à le faire. Niveau de tes tags, t'as aucun tag. Genre, par exemple, ici, tu peux mettre tes tags, genre Stade Toulousain, tu vois. Défilé, tu peux mettre foot, PS4, c'est les jeux de foot, les trucs qui sont liés au foot, tu vois. Niveau des playlists, donc tu as deux playlists, tu devrais en mettre plus. Niveau des chaînes, donc tes chaînes sont ouvertes. Tu peux mettre aussi des chaînes en avant aussi. Niveau des discussions, il faudrait que tu répondes aux discussions qui sont là. Niveau de l'à propos, dans l'à propos, tu devrais plus développer et mettre des liens Facebook, Instagram, Twitter, etc. Voilà pour toi. Troisième chaîne, alors c'est Killer8503. Alors, beaucoup de choses à dire sur ta chaîne. Alors, déjà, ta bannière, donc il faudrait que tu mettes une bannière claire, nette et précise. Si tu veux, tu me contactes sur Instagram, je peux te donner un Facebook, un Discord où il y a des gens qui font des miniatures et des bannières. Donc tu vois, tu as juste un accueil, t'as même pas un à propos, etc. Tu vois. Faudrait que tu essayes de faire un peu comme les chaînes que j'ai montrées avant, genre comme celle-là, tu vois. Faire des playlists et tout, tu vois. Parce que si tu fais pas de playlist et tout, les gens ils vont pas venir sur ta chaîne. Tu vois, les gens ils vont pas venir sur ta chaîne si tu fais rien, tu vois. Faudrait que tu mettes des... Ok, les tags c'est bon. Faudrait que tu mettes ton nom dans les tags aussi. Parce que là, ta chaîne, je peux pas trop l'analyser, il n'y a pas grand chose en fait. Reviens nous voir quand t'auras pas plus de trucs, quoi. Alors, quatrième chaîne à passer, donc TD. TTV John.
Alors, on va commencer par la bannière. Bannière magnifique, rien à dire. Franchement, elle est très jolie. Alors, au niveau de ton accueil, il faudra que tu mettes une bande-annonce comme les vidéos que j'ai fait avant. Comme ça, en fait, ça te permet d'être un peu plus référencé. Les gens, comme ça te fait plus de vues aussi. Mais aussi en dessous des playlists connues. Au niveau des vidéos, on en a trois. C'est pas énorme. Pense à être aussi actif dans ta chaîne, hein. Pareil, réponds à tes commentaires. Niveau des tags, il faudra que tu te mettes dans les tags aussi. Aussi, tu peux mettre le jeu sur quoi tu joues. Playlist, on n'a pas, tu devrais créer des playlists. Niveau des chaînes, tes abonnements sont ouverts. Niveau des discussions, t'en as pas, tu devrais créer de temps en temps des discussions avec tes abonnés. Et niveau ton à propos, t'as pas d'à propos. Donc ton à propos, tu peux marquer les consoles que tu as, sur quelle console tu joues. C'est quoi tes moments de stream, etc. Voilà. Je peux pas dire plus de choses que ça, quoi. Une chaîne coup de cœur. Ah, okay. La chaîne c'est AZP. AZP Killer. Youtubeur de bientôt 2K. Alors, AZP, donc, niveau de ta présentation, nickel, rien à dire. Vidéo populaire, des live Fortnite. Niveau des vidéos, regardez le niveau des bannières. Les bannières, faut que tu les modifies. Aussi, il faut pas que tu dises de gros mots dans tes lives. Je te mets un petit like. C'est un live, c'est normal qu'il n'y ait pas de truc. Pense à faire des vidéos aussi. Niveau des playlists, ça a l'air d'aller. Niveau de la communauté, t'as l'air d'être vachement actif. Niveau des chaînes, pas mal niveau de la chaîne. Vraiment pas bien. Ah, t'es abonné à Boss Papan. Niveau de la propos, franchement nickel, rien à dire. Bonne présentation de chaîne. Et t'es inscrit depuis le 10 août 2016. Voilà. Au passage, tu peux remettre aussi dans ta softbox. Et tu as aussi des liens à aller s'abonner. Voilà pour cette personne.